Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux, il est bienséant de louer le Seigneur. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se comptait. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Psaume 147, les versets 1 à 11. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Christ Jésus. Grande est ma joie d'être là, une fois de plus, de prêcher la parole. Je bénis le Seigneur pour ce ministère de la prédication. Je bénis le Seigneur qui nous remplit de la vision des choses du royaume. Je bénis le Seigneur qui nous enflamme pour les choses de Dieu. Il nous enflamme pour son royaume. Il nous enflamme pour son ministère. Je donne gloire à Dieu aujourd'hui, 28 juin. C'est la date, le jour où Dieu a donné à ce monde un prédicateur. Et donc, c'est ma date de naissance. C'est là où le ciel a décidé qu'aujourd'hui, un prédicateur devait naître parmi tant d'autres. Il m'a choisi. J'aimerais citer ce verset que j'aime toujours citer. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors, je bénis le Seigneur pour ce jour, 28 juin, jour de mon anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au séminaire, nous voici au deuxième jour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du culte. Le culte, prions. Seigneur, merci pour ces instants. Que ton règne vienne. Laisse que tu bénisses ces instants, Seigneur, parle-nous. Inonde-nous de ta présence. Nous voulons apprendre des choses nouvelles avec toi. Nous voulons, Seigneur, marcher dans tes objectifs. Et nous voulons, Seigneur, comprendre la profondeur de ta bonté, de ta beauté, de ta vérité, de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé dernièrement de ce que c'est le culte. Le culte, c'est une rencontre personnelle avec le Seigneur. Le culte, bien-aimé, c'est la célébration de la présence de Dieu. Le culte, bien-aimé, c'est l'endroit où l'on trouve Dieu. Le culte, c'est une convocation de Dieu. C'est Dieu qui appelle son peuple. C'est Dieu qui rassemble son troupeau. C'est un rassemblement des adorateurs. Et c'est là que plusieurs ont forgé leur vie. C'est dans le culte, dans la présence de Dieu, que plusieurs faibles sont devenus forts, que plusieurs pauvres sont devenus riches. C'est là que plusieurs ont appris la confiance en Dieu, ont brisé leur caractère. C'est là que plusieurs ont appris à aimer le Seigneur. C'est là que la foi de plusieurs a grandi. C'est là que la sanctification de plusieurs s'est développée. C'est là, dans la présence de Dieu, que nous avons appris à pardonner, à aimer, à reconstruire notre vie. Dans le culte, dans la présence de Dieu, bien-aimés, c'est là que nous avons appris à chercher le Seigneur, à vivre comme des vases d'honneur, à rechercher le Seigneur. C'est dans le culte que Dieu s'est fait un réel potier dans notre vie et nous sommes devenus l'argile. Alors le psalmiste a dit au psaume 27, le verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. »
toute ma vie dans la maison de l'Éternel. David dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et ça, c'est une chose qu'il désirait ardemment, qu'il demandait à l'Éternel. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Vouloir habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel, c'est vivre comme un sacrifice pour Dieu. C'est se donner à Dieu pour l'éternité. L'éternité doit faire partie de notre langage. Je vis pour l'éternité. Je vais aimer Dieu pour l'éternité. Et David le dit, c'est pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Nous avons parlé hier de ce que c'est le temple. Nous avons parlé du temple comme bâtiment, l'église. Quand nous disons « je vais à l'église », généralement, on fait allusion à un temple comme bâtiment. Mais nous avons parlé de ce que c'est le temple, comment la Bible, Paul, l'apôtre Paul définit le temple. Il dit « ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Vous êtes le temple de Dieu. Et la Bible dit qu'une ville bâtie sur une montagne ne peut pas être cachée. Nous sommes le temple de Dieu. Et la Bible dit aussi que l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Alors, quand David dit, j'aimerais contempler ton temple toute ma vie, David est dans un contexte d'Ancien Testament. Il parle de la maison de Dieu, la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu s'est choisi une maison, c'est ma vie. Dieu habite en nous. Il habite en nous. Alors, si je suis la demeure de Dieu, je dois soigner cette demeure. Je dois embellir cette demeure. Je dois mettre un bon parfum dans cette demeure parce que je ne vis pas seul. Je vis avec Christ et le culte se passe en moi. Le culte se vit en moi. Alors, j'aimerais parler ici d'abord du temple-bâtiment. Temple-bâtiment. Bien-aimé, le temple-bâtiment. Quand nous allons au culte, généralement, il y a des gens qui ont une culture. Ce sont des chrétiens juste de dimanche. J'ai lu une image sur Facebook qui disait, est-ce qu'on se brosse les dents que le dimanche? On se brosse tous les jours. Les bains de bouche, nous le faisons tous les jours. Alors cela veut dire que le chrétien aussi, comme ce bain de bouche, il faut faire ce bain tous les jours. On se brosse tous les jours, pas seulement le dimanche, on est chrétien tous les jours. Le culte doit se vivre tous les jours. Alors bien aimé dans le Seigneur, cela veut dire quoi? C'est que tous les jours je dois être en communion avec le Seigneur. Et donc je parlais du temple bâtiment. Quand nous allons au temple bâtiment, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment le rituel. Et un jour je partais au culte. J'étais légèrement en retard. J'ai vu comment on a barricadé le temple. Pourquoi? Parce que c'était la phase du pardon, demande de pardon dans un culte protestant évangélique. La demande de pardon. Et même ici au Cameroun, à l'église presbytérienne, cela se passe aussi. Quand c'est le culte, cette partie du culte demande de pardon, on barricade le temple et on empêche aux gens d'entrer. C'est le temps de la grâce, où Dieu veut faire grâce, où Dieu lui-même qui est un père d'amour, qui est simple, il veut faire grâce. Mais quand même, on barricade le temple et là, tout le monde est sérieux, tout le monde prend conscience, tout le monde est concentré, tout le monde est concentré. Tu ne verras pas quelqu'un avec un téléphone en train de manipuler, tu ne verras pas quelqu'un sortir, tu ne verras pas quelqu'un être distrait parce qu'on a peur, parce que l'Africain se dit quand on est devant une divinité, on a peur, voilà, je recense tous les péchés de la semaine, je les dépose là parce que demain je vais reprendre à pécher et ainsi de suite, dimanche prochain encore je viendrai déverser mes péchés. Alors, le contraste, c'est le quoi? C'est lequel? C'est quoi le contraste? C'est que après là, oui, les gens adorent Dieu, on loue Dieu, on bénit le Seigneur parce qu'on nous a, Dieu nous a pardonné, Dieu nous reçoit dans sa présence. C'est ça le sens de cet élément liturgique. Dieu nous reçoit, il nous reçoit dans sa présence. Maintenant, on est lavé dans le sang de Jésus. Mais le problème, le paradoxe, c'est quand il s'agit maintenant de la prédication, quand on arrive au moment de la prédication. Vous verrez des gens qui somnolent, vous verrez des gens qui manipulent leur téléphone, vous verrez des gens qui font ce qu'ils veulent.
Mais pourtant, ce serait le moment le plus crucial, le moment le plus important, parce que là, Dieu parle. Dieu me parle. Et encore, quand il s'agit d'adorer le Seigneur, on est des spectateurs, on regarde ce qui se passe, on est des spectateurs. Les chrétiens au culte ne sont jamais des spectateurs, parce que nous participons au culte. Ce qui fait le culte, ce n'est ni d'abord le pasteur, les chantres, et les protocoles, les offrandes. Non, ce qui fait le culte, c'est la participation de tout le monde. Et tous les éléments liturgiques dans un culte ont leur sens. L'adoration a son sens. Nous adorons aussi par les offrandes, apporter à Dieu son offrande, les dîmes, les offrandes. Nous adorons le Seigneur avec les dîmes et les offrandes. Il y a des gens qui ne savent pas donner à Dieu et qui ne sont pas bénis. Il y a des gens qui ne connaissent pas la loi de la connexion de la sémence à Dieu. Donc, par les offrandes et les dîmes, nous bénissons aussi le Seigneur. Nous l'adorons. Là encore, ça dépend selon les églises comment ça s'explique. Si on met Dieu au centre, gloire au Seigneur. Mais si les offrandes deviennent pour l'intérêt d'église bâtiment, là encore il y a un problème et je ne vais pas entrer dans ce détail. Moi je parle des offrandes selon comment c'est reconnu, selon la Bible, la dîme et autres. Alors bien aimé dans le Seigneur, je passe vite. Qu'est-ce qu'il faut quand on est au culte? C'est vraiment une connexion avec le Seigneur. Nous sommes dans la maison de Dieu. David a dit, je désire ardemment habiter dans la maison de Dieu tous les jours jusqu'à la fin. Alors dans le culte, il y a une attitude. Il y a une attitude. L'attitude qu'il faut avoir, bien aimé, c'est vraiment une attitude de remerciement, d'action de grâce. Une attitude de reconnaissance à Dieu. Une attitude de reconnaissance. Et Dieu a dit à Israël dans Deutéronome chapitre 30, le verset 16 à 20, « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. » Voilà une attitude, aimer l'Éternel. D'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Donc le culte c'est un moment où j'accorde ma vie, le diapason de ma vie. J'apprends à aimer le Seigneur et à aimer les autres. C'est un moment où je m'abandonne entre les mains de Dieu, il me façonne. Il fait de moi une nouvelle créature. Tous les jours, je suis dans le laboratoire de Dieu. Aimer les ordonnances de Dieu et aimer ses commandements. Et la conséquence positive, c'est que j'aurai la vie. Et la vie en abondance, la vie en abondance. Je vais entrer en possession de mon pays. La Bible dit, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te lasses, si tu ne te prosternes plus, si tu te prosternes devant d'autres dieux pour les servir, je déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez. Voilà ce que dit la Bible. Le culte, bien aimé, c'est une attitude de prosternation devant Dieu. Et Dieu est dans mon cœur. Il vit dans mon cœur. Alors, il y a des gens qui disent souvent, je ne vais pas sortir du culte parce que je dois recevoir la bénédiction finale. On est accro à cette bénédiction finale. Ce qui fait la bénédiction dans un culte, c'est chaque élément du culte. Quand je crois, quand je saisis ça, chaque élément du culte, j'ai parlé des éléments du culte. Je ne veux pas donner une maquette liturgique ici parce que moi, je suis pasteur protestant évangélique. Quand je suis pasteur, bien sûr. Et quand je suis missionnaire, je suis pour toute église. Je n'ai pas de différence. Mais en tant que pasteur, en tant que berger, j'ai quelque part où Dieu m'a placé, à l'église évangélique du Congo. Alors, j'essaie de reproduire cette liturgie que nous avons, qui n'est pas loin d'ailleurs des églises salutistes, catholiques et autres. Alors, bien aimé, par exemple, à l'église catholique, il y a une chose que j'aime beaucoup quand on dit la paix du Christ. La paix du Christ. Voilà un élément liturgique. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous nous bénissons les uns les autres. C'est un élément du culte. On n'attend pas que la fin. Hein? Et à un temps donné où
on doit bénir les autres, on doit se saluer, partage la paix à l'autre. Tous ces éléments liturgiques sont des temps de bénédiction. Et l'église salutiste, par exemple, quand on dit Alléluia, Alléluia, et même dans les assemblées chrétiennes, quand on dit Amen, Amen, c'est vrai. Alléluia, Amen, c'est vrai. On affirme que ces choses sont vraies. Alors, bien-aimés, tout cela nous met juste dans l'atmosphère de Dieu. Mais le problème, c'est que vraiment, il faut vraiment être dans une attitude. Samuel a dit, 1 Samuel 15, 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand on vit dans l'attitude d'obéissance, cela est plus qu'un sacrifice. Alors, voilà la dimension du culte bâtiment. Et à l'église bâtiment, c'est là aussi on a l'occasion de vivre la communion fraternelle. Selon les actes des apôtres, ils étaient ensemble, en commun, ils partageaient tout en commun, et ils se mettaient au même endroit, ils priaient, acte 2. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de fréquenter aussi le culte, les temples bâtiments. Il y a des gens qui se contentent que d'écouter des prédications en ligne. Non, il faut aller à l'église. Il faut aller au temple bâtiment. C'est important. C'est là qu'on a l'occasion de vivre la communion fraternelle. Il faut aller au temple bâtiment. C'est là qu'on a l'occasion de se connaître les uns les autres, les chrétiens, de se réconforter les uns les autres. C'est là aussi qu'on a l'occasion de vivre cette dimension de peuple de Dieu. On a l'image déjà de comment ça sera au ciel. On loue ensemble, on adore ensemble, on s'aime ensemble. Voilà. Donc c'est important de se retrouver au culte, de se retrouver ensemble en présentiel au culte. C'est vrai qu'aujourd'hui, les circonstances et la modernité nous conduisent maintenant à avoir des cultes en ligne. Mais il faut aller au temple. Alors, je vais maintenant parler de la dimension du culte rattachée au temple corps. Ma vie, mon corps qui est temple de Dieu. Comment ce culte va se faire? Ce culte se fait dans l'humilité, le brisement. On laisse la place à Dieu. Que je diminue afin que mon sauveur croisse. Que je diminue afin que mon sauveur croisse. Alors, bien-aimés, voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le culte raisonnable, c'est donc offrir à Dieu son corps en sacrifice vivant et agréable à Dieu. Vous voyez ? Ce n'est pas le pasteur qui l'invente, c'est la Bible qui le dit. Le culte raisonnable, c'est offrir son corps à Dieu. Le culte raisonnable. Et la Bible dit encore dans Jean chapitre 4, le verset 23 à 24, c'est Jésus qui dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, contrairement à ce que je viens de dire, la version en présentiel, il y a la dimension culte où je suis moi, le Saint-Esprit et Dieu. Donc, la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, qui sont en moi, et le culte se passe, l'adoration. En esprit et en vérité. Parce que la femme samaritaine était accro à l'endroit, le lieu. Nous prions à telle place. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont entrés dans cette polémique inutile. Je prie dans cette église. Je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas ceci. Ce n'est pas l'église de Dieu. L'église de Dieu est missionnaire. L'église missionnaire n'a plus de barrières. Elle n'a plus de tabous. Partout, le nom de Jésus est proclamé, j'y vais. Partout, le Christ, le culte est christocentrique. Partout, Christ est élevé comme Seigneur et Sauveur, j'y vais. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. J'y vais. Alors, cette différenciation n'a plus de sens. Autre chose encore, bien-aimé dans le Seigneur,
Autre chose, c'est que les rituels, la religion n'existe plus. On n'est pas des chrétiens, nous sommes des disciples. Nous ne sommes pas des croyants, mais des disciples. Même un athée ou un occultiste peut être un croyant parce qu'il croit en une croyance. Mais nous, nous sommes des disciples. Aujourd'hui, la différence de croyance a divisé même les familles, a divisé les couples, a divisé les ménages, a divisé les relations, les amitiés. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui compte, c'est le Christ en nous. Le culte personnel, c'est vraiment laisser l'espace à Jésus. La Bible dit dans 1 Chronique chapitre 16, le verset 29, « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. » Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Bien-aimé, le culte, c'est rendre gloire à l'Éternel pour son nom. C'est vivre cette adoration avec le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu se plaint dans Ésaïe 29, le verset 13. Il dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est obligé et éloigné de moi. » Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un prétexte de tradition humaine. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas le pasteur qui prêche. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un prétexte de tradition humaine. Si nous vivons le culte selon la tradition de nos églises, ce sera la forme, mais le fond n'y est pas. Le fond que Dieu recherche, c'est s'approcher de lui et l'honorer de cœur, pas des lèvres, de cœur. Aujourd'hui, dans nos églises, on doit porter, il y a des marnières rattachées à nos églises, il y a des photos dans certaines églises, il y a des manières où il faut vénérer le pasteur, il faut élever le pasteur. Il y a des chants spéciales pour les hommes de Dieu. Il n'y a que des cultures et des cultures, et chacun est sceptique à l'église de l'autre. Oh, chez eux, c'est comme ceci, chez eux, c'est comme ceci. Voilà ce qui nous unit tous, cette mise en garde de Dieu. Dieu dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore que de la bouche. Mais il est rattaché à ses préceptes de tradition humaine. Laissons les traditions de côté. Entrons dans le culte selon Jean chapitre 4. Ni à Jérusalem, ni en Samarie, mais en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Pas ceux qu'il adore par les lèvres, mais par le cœur. Parce que si tu veux montrer que tu aimes le Seigneur, il faut l'aimer du cœur. Et c'est là que Dieu bénira plusieurs. Je vais m'arrêter là et prochainement, je parlerai de la dimension du culte en tant que maison et ensemble. Comment nous vivons le culte et comment nous pouvons être bénis en vivant une vie de culte dans nos maisons et dans notre histoire de vie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu nous enseignes ce soir. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Ce soir, tu veux nous reconstituer, nous ramener autour de toi pour nous faire comprendre ce que toi tu veux. Que nous puissions t'honorer du cœur, que nous puissions être connectés à toi. Tu veux, Seigneur, le vrai culte. Le vrai culte, Seigneur, c'est être disposé à te louer, à te connaître en profondeur. Seigneur, tu ne veux pas les rituels, traditions humaines, mais tu veux la rencontre du cœur, car tu veux briser les vies, car tu veux se faire révéler, tu veux te révéler à plusieurs. Merci Seigneur de nous enseigner. Il y a probablement quelqu'un qui s'inquiète ce soir. Ah, je vis loin, dans un pays éloigné. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas mon église. Il n'y a pas ici ma tradition d'église. Mais Seigneur, tu lui rappelles que lui-même devient un culte, que lui-même est une église, que lui-même, il suffit qu'il rentre dans le lieu secret, qu'il se prosterne et il verra son Père qui est là dans le lieu secret, Dieu le Père. Merci Seigneur d'enlever en nous toutes ces conceptions erronées, ces conceptions limitées du culte. Mais rappelle-nous que le vrai culte, c'est ta présence dans nos vies, c'est le culte du cœur. Béni soit ton nom, que ton nom soit loué. Fais de nous une église missionnaire, une église qui n'a pas de barrière, une église centrée sur Christ, une église pour les autres, une église qui va vers les autres, centrée sur Christ, une église qui n'a pas de barrière ethnique, une église vraiment missionnaire qui va partout, qui a un regard sur tout le monde, parce que nous sommes une seule église. Merci Seigneur, un seul peuple. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, toi et ta maison. Tu es un culte. Amen.